À propos du boson de Higgs. Boson de Higgs qui nous a valu cette année le prix Nobel de physique. Des explications sur cette grande découverte. Donc voilà. Les élèves y sont impatients aussi, donc ils sont là en train de discuter sûrement sur le boson de Higgs. Bien sûr. Donc à très vite. N'est-ce pas que tu es en train de parler du boson Bonjour. Oui, tout à fait. Donc on va parler du boson de Higgs aujourd'hui. Alors Benjamin, expliquez-nous, c'est quoi le boson de Higgs concrètement? Mais pour donner un exemple concret, c'est simple. On pourrait comparer le champ de Higgs à de la neige. Et si vous voulez, les particules, comme les photons, qui eux, donc, pour faire les analogies, on verrait ces gens-là comme des skieurs, donc ils passent sur la neige sans être ralentis, donc ils n'ont pas de masse. Et puis il y a des particules qui n'ont pas de ski, et donc qui s'enfoncent dans la neige, et qui donc ont eux, une masse. Et c'est comme ça qu'on... Allez, on applaudit, les gars. Waouh, Très bien, d'abord sur ce que vous venez de voir et d'entendre. En tout cas, de mon point de vue, j'ai trouvé ça quand même relativement intéressant. Autant du point de vue culture scientifique, c'était tout de même à la fois vulgarisé, mais on creusait quand même au niveau de la matière, d'un point de vue quand même plus rigoureusement scientifique, et ça semblait tout de même fort intéressant. Et cela vous a paru accessible, ne fût-ce que quant au vocabulaire utilisé? Oui, tout à fait. Je pense que, en tout cas, la condition sine qua non pour comprendre ce qui était expliqué, c'est d'avoir un minimum de connaissances scientifiques, ce qui était notre cas étant donné qu'on est dans une option science forte.
Mais c'est vrai qu'il y a certaines notions qui sont abordées qu'on aborde uniquement en rétome science forte, et donc c'était vulgarisé pour nous, mais je pense que pour la plupart des gens, ça le serait moins. Ouais, tout à fait, il y avait une culture scientifique qui était quand même nécessaire pour avoir tout de même un minimum de compréhension vis-à-vis de la matière abordée. Donc vous estimez, à juste raison, avoir les bases suffisantes pour vous permettre de comprendre ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais. Et puis, clairement. Les notes étaient relativement claires aussi, et c'était plus ou moins bien expliqué, donc tant qu'on était attentif un minimum, je pense que ça allait. Et c'est l'apport du PS Science aussi. Donc les notions abordées en chimie quantique et physique quantique, c'était des notions qu'on avait abordées au PS, notamment chimie, pour nous préparer, étant donné que ce sont des sujets qu'on aborde l'année prochaine. Je pense que ça nous a bien préparé et que c'est grâce à ça aussi qu'on a pu comprendre correctement la matière. Oui, exactement. C'est très exactement ça. En tout cas, le PS a véritablement joué son utilité dans le sens où la matière avait déjà été préalablement abordée. Donc de là, il y a vraiment une accessibilité à la matière qui s'est rapidement faite. Voilà, vous souhaitez ajouter un commentaire supplémentaire ? Personnellement, pour moi qui suis fort motivé pour faire la physique l'année prochaine à l'UNIF, ça m'a conforté dans mes choix, et maintenant ce que je redoute, c'est de faire le choix pour les prochaines options en physique, parce que la physique des particules est géniale, mais la physique théorique est tout aussi bien, il y a vraiment de multiples domaines. Eh bien, Arnaud, tu viens en partie de répondre à la question que je voulais vous poser, qui va clôturer ce petit entretien. Que comptez-vous faire l'année prochaine ? Donc Arnaud, tu as répondu la physique, toi Amadeo ? Le droit. Le droit, mais pourquoi pas ? Tout à fait, oui. Nous sommes dans une école d'enseignement général, donc... toutes les formes d'enseignement peuvent se recouper. Et toi, Olivier ? Ingénieur de gestion, mais il y a une section physique depuis quelques années à l'ULG. Donc, en sciences, même en général. Hein, voilà, en sciences, chimie, physique, donc j'aurais quand même besoin de ça. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les trois.